Et on reçoit nos deux invités du jour. Aujourd'hui, Camille et Aliénor, deux étudiantes en première année à l'ESJ de Lille, l'école supérieure de journalisme. Elles ont intégré le service psychiatrie de l'hôpital de Tourcoing. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet? Il me semble que vous vouliez un petit peu sensibiliser les gens au traitement médiatique qui est fait de la maladie mentale. Le projet est parti d'une intervention qui a été faite à l'école donc en début d'année sur c'était une journée consacrée au traitement médiatique du suicide. Et donc là, c'est une équipe en psychiatrie avec des internes qui sont venus nous en parler, et le projet est venu de là, en fait, de la part de l'équipe de Tourcoing, de vouloir accueillir un groupe d'étudiants pendant une semaine en immersion dans un service psychiatrique. Voilà, nous, ça nous a intéressés. Le but étant vraiment de mieux parler de la santé mentale, des maladies, et de surtout le jour où on sera journaliste et on aura vraiment affaire au métier, donc concrètement, de ne pas dire de bêtises sur le sujet de ce qu'est un psychopathe ou un schizophrène. Voilà. Justement, alors qu'est-ce qui ressort de cette semaine? Il me semble que vous venez de terminer votre semaine d'immersion. Qu'est-ce qui en ressort? Cette semaine, on était vraiment en fait en immersion avec des patients qui étaient dans ce qu'on appelle en état de stabilisation. Donc voilà, donc on a pu côtoyer des patients atteints de schizophrénie, par exemple, en grande majorité. Donc ce qui en ressort, c'est que voilà, on était vraiment avec eux au quotidien. On a eu la chance de pouvoir être avec eux pendant 5 jours sur une journée entière. Et de vraiment pouvoir vivre à leur rythme, entre guillemets, et de se rendre compte qu'aussi, c'est des maladies parfois dont on ne guérit pas. Par contre, on peut les soulager ou du moins les accompagner pour que les gens se stabilisent. Et donc, on a découvert toutes les structures qui étaient faites pour eux après leur traitement à l'hôpital et ensuite dans différents centres, en fait. On a fait pas mal d'activités avec eux, que ce soit des arts, plastiques, de la musique, de la cuisine aussi. Il y a plein de choses qui sont mises en place qu'on n'avait pas du tout imaginées jusque-là. Et alors, je suppose que votre immersion au sein de ce service psychiatrie a cassé quelques idées reçues, peut-être? Je ne sais pas si on peut parler d'idées reçues, mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est un hôpital psychiatrique. C'est plutôt de la découverte que des idées reçues à casser, en fait, je pense. Notamment, voilà, toute la multiplicité des structures qui peuvent exister. Le maillage aussi local, ouais. On n'avait pas du tout idée que par exemple, Tourcoing était divisé en deux, en différents secteurs, et que ces deux secteurs travaillaient bien sûr ensemble, mais n'étaient pas du tout constitués de la même manière qu'à Lille ou ailleurs. En fait, c'est selon la population, pour que tout le monde ait un accès égal aux soins. Il y a vraiment toute une organisation nouvelle qui est vraiment différente. Ouais. D'autrefois, on avait tendance à isoler les asiles en les mettant plutôt à la campagne ou du moins plus loin de la ville, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui va ressortir de cette semaine? Des articles, peut-être? Un magazine? Bah là, c'est en discussion entre nous sept, en fait. On aimerait bien peut-être garder une trace de tout ce qu'on a vécu cette semaine, quand même. Ce sera de toute façon un reportage ou un papier écrit. Donc ouais. On n'a pas pris de photos ou quoi que ce soit, pas de vidéo. Pas de son, parce que... On était tenu au secret, voilà. Médical, ouais. Ouais. Professionnel. Et par contre, c'est important peut-être d'angler la semaine pour essayer d'en retirer quelque chose, mais on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. En fait, c'était principalement pour comprendre comment ça fonctionne un service de psychiatrie. Écoutez, merci beaucoup Aliénor et Camille pour ce témoignage concernant donc le service psychiatrie à l'hôpital de Tourcoing.